Thank you. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Au sommaire ce soir, un débat avec tous les représentants des partis candidats aux élections européennes. Ça se passe demain au Théâtre Barrière à Bordeaux et ce sont des étudiants qui sont à l'origine de cet événement démocratique. Des étudiants engagés pour faire parler d'Europe et ils sont ce soir sur notre plateau. Une page sport comme tous les lundis sur TV7. Dans ce sportif, on va parler football et notamment foot féminin. Et puis vous pourrez bien sûr revivre les meilleurs moments du sport amateur grâce à Rematch et Cap sur le rugby. Amateur justement dans Top Rugby avec le club de Floirac qui évolue en Fédéral 2 et qui est tout proche de réaliser son objectif se maintenir. On fera également le point sur le naufrage du 15 de France euh, face à l'Irlande. C'était hier dans le tournoi des 6 nations. Et tout de suite, les titres de l'actualité. Le bus à haut niveau de service qui doit relier Saint-Aubin et la gare Saint-Jean va-t-il finalement voir le jour Si le projet est toujours à l'étude, le nouveau maire de Bordeaux Nicolas Florian a annoncé son intention de le retarder pour étudier d'autres tracés à l'intérieur des boulevards, explication complète dans ce journal. Attention aux travaux sur la RN250 entre Gujan-Mestras et la teste de Bûche. c'est le début d'un chantier de doublement de la voie rapide d'Arcachon, des travaux en plusieurs phases qui devraient s'achever en 2021. Paolo Souza a dirigé son premier entraînement ce lundi. Le Portugais, qui s'est engagé pour trois ans et demi avec les Girondins de Bordeaux, a été présenté à la presse au Hayon ce lundi. La météo, ça devrait encore être une très belle journée en Gironde demain, avec un grand soleil et des températures qui vont atteindre les 19 degrés dans le sud de Gironde. Attention, quelques rafales de vent sont attendues en fin de journée. Le projet de BHNS entre Saint-Aubin-du-Médoc et Bordeaux, déjà retardé de trois ans, verra-t-il finalement le jour en 2023 Saisi par une association de riverains du quartier saint seurin le tribunal administratif a en effet annulé la déclaration d'utilité publique en juillet dernier. La métropole a fait appel et, sans attendre le résultat, elle a relancé la concertation autour d'un projet légèrement amélioré et plus cher. Mais le nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian, a annoncé sur notre antenne son intention de retarder. Retarder le projet pour étudier d'autres tracés à l'intérieur des boulevards. Le point avec Dominique Parmenti. On est censé démarrer une concertation. Moi, je vais demander à la, à la retarder cette concertation et qu'on puisse étudier d'autres tracés, en particulier après après les boulevards. Voilà ce que déclarait, à peine élu, le nouveau maire de Bordeaux sur TV7. De quoi satisfaire l'association à l'origine de l'annulation de la déclaration d'utilité publique du projet Le nouveau maire prend enfin en compte la voix de la raison et du bon sens, je dirais même de l'intelligence, et les membres de Bordeaux à cœur sont satisfaits. Tout en affirmant que la porte n'est pas complètement fermée, pour le maire de Saint-Aubin et vice-président de la métropole chargée des transports, pas question de retarder encore ce projet. Nicolas Florian arrive. Je pense qu'il est normal qu'il s'intéresse au sujet. Il est normal qu'on en discute avec lui. Il m'avait évoqué ce sujet lundi dernier. Je lui avais dit que ça serait très difficile parce que les tracés, on les a bien sûr examinés. Je pense que retarder encore par rapport au temps que l'on a pris sur la concertation serait sans doute pas forcément une bonne idée. Pour lui, il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre en termes de tracé. On a fait 53 réunions de concertation. Vous imaginez bien qu'entre 2015 et 2018, sur ces 53, on a examiné toutes les possibilités qui existaient. Aujourd'hui, ce tracé est le tracé qui est le meilleur dans les conditions aujourd'hui de l'urbanisme de Bordeaux. C'est donc le même tracé, notamment dans le secteur le plus contesté, rue Sainte-Croix et rue Capdeville, qui est aujourd'hui proposé dans la nouvelle concertation, mais avec cette fois un BHNS électrique, des investissements pour le stationnement et une étude sur les vibrations, avec un surcoût total d'au moins 40 millions d'euros. L'association Bordeaux-Hacker conteste et la forme et le fond. Bordeaux-Hacker a eu trois jugements en sa faveur au tribunal. Le tribunal à chaque fois a statué sur l'absence de tracé alternatif. Et c'est ça que nous demandons, que Bordeaux euh, hacker euh, demande. Pour sa part, le collectif Bordeaux Croix Blanche a le sentiment d'avoir été entendu sur certains points seulement. Effectivement, euh, le président compte de notre première remarque, c'est la, mo la motorisation électrique, c'est un point. Le stationnement, le stationnement, pour le moment, tout n'est pas réglé puisqu'on nous propose 50 de remplacement des places uniquement. Le projet, pour le moment, on va dire. Intramuros Bordeaux n'est pas changé. Reste à savoir si leur nouveau maire saura convaincre ses collègues de la métropole qui se prononceront sur le sujet le 22 mars prochain, à moins que ce ne soit le contraire. Et on fait le point sur la mobilisation des Gilets jaunes à Bordeaux ce week-end. 18 personnes ont été interpellées en marge de cette manifestation. 7 d'entre elles sont reparties avec des convocations en correctionnel, notamment pour participation à un attroupement en vue de commettre des violences et détention d'armes par destination. Mais pour la première fois depuis longtemps, la manifestation de samedi à Bordeaux s'est déroulée dans le calme, sans débordement majeur. Et la marche féministe non mixte organisée à Bordeaux à l'occasion de la journée internationale des... Des femmes à elles mal terminées vendredi soir trois étudiantes ont été placées en garde à vue elles sont accusées d'avoir tagué de nombreuses façades sur le passage du cortège vous le voyez riposte féminine mort au mec ou encore violeur égal cutter ce sont les types de tags que l'on pouvait voir un peu partout vendredi soir vers 22h sur de nombreux immeubles ou des devantures de commerce du cours victor hugo de la rue des forts ou encore sur la porte de bourgogne et la flèche de saint michel dans le centre-ville de bordeaux c'est le cauchemar des automobilistes qui se rendent à Arcachon l'été. La RN 250, cette voie rapide qui se transforme régulièrement en gigantesque bouchon, et bien des travaux d'élargissement commencés aujourd'hui et ils vont entraîner la fer euh, des fermetures à la circulation de nuit les trois prochaines semaines. François les travaux d'élargissement de la RN250 entre le rond-point de Bisserrier et la TEST et celui de la Hume à gujan mestras entrent dans une phase active. Il s'agit de faire passer cette portion de voie de 1,8 km de long, de deux fois une voie, à deux fois deux voies. Depuis le mois de janvier, des travaux préparatoires et de protection environnementale ont eu lieu. Cette fois, il s'agit de réaménager ce rond-point. Durant les trois prochaines semaines, la vitesse sera réduite à 50 km/h la journée. En revanche, elle sera interdite la nuit. Des itinéraires de déviation seront donc mis en place durant ces travaux nocturnes. On est obligé de fermer pour pouvoir faire les travaux sur le giratoire. Euh, et donc, il y a un itinéraire, une déviation qui est mise en place, voilà, qui passe par l'avenue de l'aérodrome euh, au sud. Euh plus au sud. La vitesse sera réduite sur toute la durée du chantier à 50 km/h, mais euh, la, les circulation euh, sera maintenue, sauf sur quelques nuits, euh, voilà, y compris les trois premières semaines qui, qui démarrent là. Ces travaux, dans un premier temps, visent à réaménager ce rond-point de l'ARN 250 pour faciliter le flux des véhicules. Le chantier se concentrera ensuite à la mise à deux fois deux voies de cette partie de la RN 250 entre La Teste et Gujan. Ce chantier devrait durer neuf mois avec une livraison de cette route élargie dans le courant du mois de décembre 2019. En 2020, le chantier se déplacera en amont entre le rond-point de La Hume et celui de Césarée où là des échangeurs seront créés. La route entre Gujan et La Teste sera dans sa configuration définitive à deux fois deux voies d'ici 2021. Le coût total de ce chantier est de 55 millions d'euros. A noter euh, également toujours sur la route, hein, la fermeture de la rocade extérieure cette nuit entre euh, 21h et 6h euh, du matin. C'est entre Esines euh, et saint médard en jalles La déviation des usagers se fait par euh, le sens intérieur euh, de la rocade. Sa famille euh, le craignait. Le cadavre découvert la semaine dernière dans le port de Saint-Loubet, c'est bien celui euh, de Franck Lizilour, Le facteur de Libourne porté disparu depuis un mois. Euh, celui euh, qui avait euh, Pardon, celui qui avait posé quelques semaines plus tôt dans le calendrier des hommes de lettres se serait donc suicidé. Il a été formellement identifié aujourd'hui par des analyses. Et par ailleurs, le corps d'un homme d'une cinquantaine d'années a été repêché dans la Garonne ce lundi vers 13h quai de Braza à Bordeaux. C'est un ouvrier travaillant sur un chantier à proximité qui a fait la macabre découverte. Pour l'instant, le corps n'a pas encore été identifié. La police a ouvert une enquête. Allez, le sport et le football. Un nouvel entraîneur pour les Girondins de Bordeaux, Paolo Souza, a été présenté cet après-midi au château du Haillan. Avant de diriger son premier entraînement de la semaine, le Portugais a donc signé pour 4 ans avec le club, et qui le présente comme le nouvel homme fort pour maintenir et sauver la saison des Girondins. Qu'en est-il donc d'Éric Bédouet, qui avait assuré la transition Écoutez la réponse de Frédéric épée C'est un, un gros travailleur animé d'une volonté farouche de gagner. Beaucoup de clubs auraient aimé, aimé l'avoir chez eux. Il a choisi les, les Girondins de Bordeaux et, et je, tiens à, je tiens à leur remercier sincèrement. Euh, nous allons écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire des, des Girondins de Bordeaux euh, qui, comme j'ai déjà eu l'occasion de, de le rappeler, euh, vise à intégrer à nouveau et régulièrement le, le cercle des, des équipes européennes. Euh, le, le succès sportif a, a plusieurs visages, le succès sur le terrain évidemment, mais il y a des, des éléments essentiels au succès, euh, une structure, euh, un esprit d'équipe et euh, un travail régulier et, et quotidien. Euh, mon rôle, notre rôle est de veiller au respect de ces éléments jour après jour et je suis convaincu que Paolo est l'entraîneur qui nous permettra de cocher euh, ces cases. Je voudrais profiter de l'opportunité pour remercier euh, Ricardo et, et Eric, qui sont euh, deux grands monsieur du football. Euh, à court terme, Eric va reprendre son rôle euh, d'adjoint euh, et Paolo arrive avec une équipe euh, qu'il aura l'opportunité de présenter tout à l'heure sur euh, sur le terrain. Le terrain. Euh, à tous. Hein. Voilà. Paolo Souza, le nouvel entraîneur qui voit donc avec ce projet l'opportunité et l'ambition de retrouver l'Europe et de construire sur le long terme pour les Girondins. Écoutez. Non, elle est différente, est complètement différente. Moi, je trouve que c'est totalement différent de la Fiorentina. Euh, aussi bien au niveau de la mentalité, du système, l'organisation, les joueurs sont différents. Ici, les joueurs sont, sont très jeunes, avec beaucoup de potentiel. Donc, c'est une équipe qui peut, qui peut grandir. C'est un nouveau projet. Euh, donc, euh, avec la connaissance que j'ai, le. J'espère je, apporter que ce, à ce projet de façon à ce que ce projet puisse avoir de l'importance au niveau français postes, et au niveau européen. Et, et, que et je vais donner de mon, uh, de mon maximum pour que ce projet avance. Eh, volonté de pouvoir um, uh, uh, um maximum de notre qualité uh, à ce projet. Et les Girondins de Bordeaux, on en reparle ce soir dans votre émission saut so Sportif, ou plutôt les Girondines, puisque les filles sont à l'honneur en ce mois de mars au club. Les Girondins, qui ont par ailleurs lancé une vaste consultation auprès du public, sortent d'audit du club avec toute une série de rencontres. Les supporters, qui ont visiblement du mal à s'approprier le nouveau stade, et les Girondins l'ont bien compris. écoutez. Ce que nous ont dit l'ensemble des, des, des communautés qu'on a rencontrées, on a besoin de se sentir chez nous quand on va au Matmut et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Le stade est impersonnel. Le stade manque de couleurs euh, marines et blanc. Le stade manque d'une saveur qui, soit, qui, qui, qui nous permette de nous raccrocher à quelque chose. Donc on a beaucoup, beaucoup de champs d'amélioration là-dessus. Des discussions à mener avec l'exploitant, des discussions à mener avec la collectivité. Mais euh, on a mesuré combien l'attachement au club était profond. Et on, on en vient à dire qu'il ne faut pas grand-chose. Il faut peut-être souffler un petit peu sur Ebrez pour que... Euh, très vite, euh, l'élan positif euh, se, se, se concrétise. Même les ultras nous disent euh, nous, on a juste besoin de, de se sentir fiers d'être bordelais quand on, quand on va au stade. Alors, ça, ça tient à ce qui se passe sur le terrain, mais ça tient aussi à ce que vous avez à mettre autour. Il faut que ça redevienne une expérience bordelaise et pas une expérience aseptisée. Ça a été inscrit dans, 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 dans l'âme le, de, de, de l'ESCUR, évidemment, de, de, du fait de l'histoire. Euh, il faut qu'on réunisse ces conditions à ce que le public puisse se rapproprier Bordeaux. Euh, le, le, le stade, pardon, et surtout que le stade vienne à être une extension du style de vie bordelais. Voilà cette interview à voir en intégralité ce soir dans Saut Sportif sur TV7. Et puis le rugby, on en parle tous les lundis également sur TV7. Bonsoir Mathieu Dalzo. Ce soir, vous parlez rugby amateur avec votre invité. Mais avant, peut-être un mot sur le naufrage du 15 de France. C'était hier face à l'Irlande. Et puis cette blessure de Jefferson Poirot, le pilier de l'UBB. Oui, c'était un après-midi cauchemardesque. Un de plus, finalement, pour le 15 de France, hein, qui n'en finit plus d'enchaîner les désillusions. Mais c'est vrai que pour nous Bordelais, eh bien en plus de ça, en plus de la souffrance de Devant notre écran télé pour les Bleus qui ont été balayés par l'équipe d'Irlande, et eh bien, on a vu donc la blessure de Jefferson euh, Poirot, donc, euh, capitaine de l'Union Bordeaux-Bègle, le pilier de l'équipe de France. Une blessure euh, en plus sur, sur une action un peu limite, hein, parce que qu'en top 14, on siffle des cartons pour moins que ça. Là, effectivement, le, bah, le joueur euh, irlandais vise euh, presque volontairement le, le genou de, de Jeff qui se tord. Donc euh, Jefferson Poirot qui passe des examens euh, aujourd'hui et on en saura beaucoup plus demain. Mais on craint quand même une entorse du, euh, du genou, ce qui pourrait signifier la fin de saison du, du capitaine. Donc euh, c'est vrai que c'était un sale après-midi pour les supporters euh, français. Et aussi pour les supporters de l'Union Bordeaux-Bègues. On prendra donc bien sûr de ces nouvelles avec vous dans les prochains jours, Mathieu. Bon, ce soir, capture le rugby amateur avec le club de Florac qui évolue en Fédéral 2. Oui, on va quand même avoir le sourire ce soir parce que Florac, je rappelle pour ceux qui suivent l'actualité rugbyistique de la région, que Florac est promu en Fédéral 2 après une superbe saison l'année dernière en Fédéral 3 qui les a amenés jusqu'aux portes de la finale, les demi-finales du championnat de France pour cette équipe de Florac, donc promu en Fédéral 2 et qui a quasiment à qui sont son maintien est pas mathématiquement fait mais c'est quand même bien dans la poche pour cette équipe qui est cinquième du championnat donc pour en promu c'est une très belle prestation pour ce club de flora qui n'en finit plus de, de grandir et de nous étonner alors on va en parler ce soir avec son président Nicolas Guyamier et puis euh, l'un des entraîneurs aussi, le coach des arrières Alex Pérez qui sera euh, avec nous puisque euh, bah, on va de derby en derby en Fédéral 2. Il y avait euh, Florac Salle hier et il y aura aussi lormont Florac la semaine prochaine. Donc euh, voilà, donc, au cœur du, du rugby euh, amateur avec nos amis de Florac ce soir. Merci beaucoup Mathieu, on vous retrouve tout à l'heure dans Top Rugby et puis un mot peut-être de la polémique euh, du week-end sur les réseaux sociaux, l'annulation du concert de Nicky Minage à la dernière minute. Les fans étaient euh, déjà... Tous présents dans la salle de l'Arkea Arena lorsqu'un technicien a annoncé que le show n'aurait pas lieu pour des raisons techniques. Dans un communiqué, la salle de spectacle incrimine la production du concert de la chanteuse qui ne se serait pas mise aux normes d'électricité. Problème les spectateurs ont donc été prévenus à la dernière minute et par ailleurs, la star américaine a été aperçue une demi-heure après cette annonce à la foire au plaisir de Bordeaux, de quoi déclencher à la fois la colère et les moqueries des internautes. Vous restez avec nous sur TV7 dans un instant on va parler des électricités européenne avec des étudiants de Sciences Po-Bordeaux qui organisent un grand débat demain à Bordeaux avec tous les partis qui candidatent à ces élections.